Bonjour et bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous mensuel avec les acteurs du monde économique, une émission en partenariat avec le quotidien L'Écho. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Noël, le Big Boss aujourd'hui s'appelle Michel Tombroff, c'est le patron de Soft Kinetic, une PME qui baigne dans la technologie. Bienvenue en tout cas sur notre plateau. Merci de me recevoir. Soft Kinetic est un leader et vraiment un géant dans la reconnaissance gestuelle. Alors avant de prendre l'entreprise, la direction de l'entreprise qui est basée à Ixelles, un petit mot sur votre parcours, Michel Tombroff. Vous avez étudié à l'ULB, ingénieur civil en électromécanique, et puis vous êtes parti aux États-Unis et là, ça a vraiment décollé pour vous. Oui, tout à fait. J'avais le choix entre le service militaire ou partir à l'étranger, et en particulier aux États-Unis. Et ça a été une expérience extraordinaire de passer 2 ans là-bas, en plus en Californie, en Santa Barbara. J'ai découvert des gens extraordinaires, j'ai beaucoup appris. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il était important de passer quelques années au-delà de la Belgique. Ensuite, je suis revenu de toute façon, mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Pourquoi absolument. Être revenu? Parce qu'on se dit, bon, la technologie, on connaît tous les grands noms, Silicon ça se passe Valley. Là-bas, c'est la Silicon Valley, c'est Palo Alto, c'est dans ce coin-là que ça se passe, c'est pas à Bruxelles. Pourquoi être revenu à Bruxelles? Parce qu'il n'y a pas que la carrière, il n'y a pas que la technologie, il y a aussi la vie familiale et il y a surtout la vie en Europe. Que après avoir justement pu expérimenter la vie américaine, la vie dans les grandes villes américaines, la Silicon Valley et la Belgique et l'Europe, parce qu'on a aussi vécu à Londres et à Paris avec mon épouse, on s'est rendu compte que la vraie qualité de vie, elle est plutôt ici que là-bas. Et donc, je trouve que le mélange, c'est-à-dire de travailler avec des gens qui sont là-bas et de baser en Europe, c'est vraiment un parfait compromis. On va découvrir votre entreprise qui est basée à Ixelles, je l'ai dit, pas loin des universités l'ULB et l'AVB pour ne pas les citer. Il y a 92 personnes qui travaillent pour Soft Kinetic, dont 85 qui sont basées à Bruxelles. Découverte. C'est en toute décontraction que notre caméra est invitée dans les bureaux de Soft Kinetic. Donc ici, on est dans la partie hardware. Donc cette équipe s'occupe principalement donc de nos senseurs, de nos caméras et de nos modules. Dans le paysager dédié au software, Franck peaufine le prototype qui part à San Francisco la semaine prochaine. Ce que nous, on apporte à cette expérience, c'est la possibilité d'utiliser ses propres mains de manière tout à fait naturelle dans l'environnement virtuel. En participant à la conférence internationale des développeurs de jeux, l'entreprise espère décrocher de nouveaux contrats sur le marché de la réalité virtuelle. On travaille évidemment en étroite collaboration avec toutes les sociétés qui développent ces casques de réalité virtuelle, Facebook, Oculus bien entendu, et d'autres qui arrivent. Pas mal d'ingénieurs engagés ici sont issus des universités voisines. Logique, quand on sait que Soft Kinetic est né de la fusion avec une start-up de la VUB, Optrima. Présent en Californie et en Corée, l'entreprise va asseoir sa notoriété en réalisant des partenariats avec des géants de l'informatique comme Intel ou Texas Instruments en 2012. Mais aussi Sony et sa fameuse PS4 en 2013. Mais les clients de Soft Kinetic sont aussi belges. Mesdames et messieurs, bonjour. Le temps restera maussade de cet après-midi avec encore de nombreuses averses. Basée à Charleroi, l'entreprise Keywall réalise chaque jour 30 bulletins météo pour des clients belges et étrangers. Au départ, la reconnaissance de mouvement, bon, dans la présentation télé, on ne voulait pas non plus que ce soit aussi extravagant qu'au sein de jeu. Donc il fallait que la détection de mouvement soit plus fine. Utilisée depuis 2013, la technologie de Soft Kinetic n'a pas vraiment percé dans le monde de la télé. Et si on est en plus en direct, on ne peut pas prendre le risque à un moment qu'un mouvement du présentateur ne soit pas détecté et ne déclenche pas l'événement auquel on s'attend. Et donc ça, ce risque-là, on ne voulait pas le prendre. Donc je pense que les chaînes de télé sont encore un petit peu frileuses par rapport à cette technologie. Mais la fierté du moment, c'est ce système. Voilà, je simule ici un coup de fil, je peux soit décrocher ou juste refuser le coup de fil. Commandée par un constructeur automobile allemand, cette nouvelle technologie va équiper les premières voitures dès cette année. Je ne peux pas révéler les détails bien entendu, mais non, la technologie sera disponible, est disponible et d'ailleurs en développement pour d'autres marques automobiles aussi. C'est jackpot quoi. C'est en tout cas un bon marché pour nous. C'est un marché intéressant parce que c'est un marché assez stable, qui s'intéresse de plus en plus aux technologies consumer électroniques, tout ce qui est connectivité, sécurité. Et c'est évidemment là où on peut apporter notre valeur ajoutée. Eric Risselot, qui est le cofondateur avec vous de Soft Kinetic. Alors, ce portrait, vous vous y retrouvez? Oui, c'est formidable de voir les membres de l'équipe comme ça, qui présentent la technologie, qui sont heureux de travailler dans cet environnement.
Oui, c'est formidable. Alors, on a parlé d'équipements voitures, etc. Moi, je fais le lien avec une info que j'ai vue passer par ailleurs. On a parlé de ce système qui va rentrer dans les voitures allemandes. Et BMW, il y a quelques semaines, si je ne m'amuse à présenter un système comme celui-là à Las Vegas, que c'est vous ? Est-ce qu'on parle du même système ? C'est les Soft Kinetic qui équipent les BMW ? Tout à fait. Donc, en fait, à CES, qui est le grand show électronique annuel à Las Vegas, on a eu la chance de pouvoir présenter notre technologie embarquée dans un modèle prototype de voiture allemande, BMW. On a beaucoup travaillé avec eux depuis plusieurs années justement sur ce concept. Alors on n'est pas encore censé discuter exactement de quand cette voiture va arriver sur le marché, mais ce que vous avez vu à CES dans une BMW, c'est effectivement notre technologie, la caméra, le logiciel et toute la reconnaissance du mouvement. C'est un marché énorme qui s'ouvre à vous. Oui, c'est un marché énorme et c'est un marché très intéressant parce que d'abord, c'est un marché très difficile à pénétrer. Ce sont des marchés qui prennent beaucoup de temps à arriver à maturité. Mais une fois que vous êtes dans le marché avec un constructeur et surtout un constructeur de cette notoriété, vous pouvez vraiment étendre votre renommée, votre marché. Qu'est-ce que ça représente, ah, chiffre d'affaires ? Pour nous, ça va représenter plus du tiers de notre activité sur les années qui viennent, certainement. Mmh. C'est ça. On revoit d'ailleurs à l'image un peu le système tel qu'il existe au niveau prototypique. Ça veut dire que derrière BMW, bon, okay, belle porte d'entrée dans le secteur, il y en a d'autres qui vont suivre ? On est en discussion aujourd'hui avec les plus grands acteurs du marché et il faut bien cerner aussi le fait que le marché automobile, ce ne sont pas que des fabricants de voitures, ce sont aussi des équipementiers. Les gens comme Delphi, qui est notre client dans ce cas-ci, et d'autres qui fournissent les équipements aux automobilistes. Et donc, on est en discussion avec l'ensemble de ces acteurs-là. Et n'oubliez pas qu'il y a des acteurs comme Google qui sont de plus en plus actifs dans le monde automobile. Et donc, pour nous, ça ouvre un marché très, très important. Google qui est très actif au niveau, on le voit aussi oui, derrière vous, de, cette fameuse, de ces fameuses lunettes mm-hmm. qui amènent dans un monde virtuel. Là aussi, vous avancez à grands pas. Où est-ce que vous en êtes avec votre logiciel ? Est-ce qu'il est implanté dans mm-hmm. maintenant des produits tels que ceux-là ? Tout à fait. D'abord, c'est un marché qui lui-même avance à grands pas. Hein, les choses se bouscule de mois en mois, de semaine en semaine. Facebook a fait l'acquisition d'Oculus il y a moins d'un an. Et donc, ce que vous voyez là à l'image, ce sont effectivement nos caméras qui sont attachées au système Oculus. Aujourd'hui, nous travaillons aussi avec d'autres acteurs qui ont déjà été annoncés et qui sont déjà sur le marché, mais en très petite quantité. Des gens comme Atier, Meta, des Californiens. Et là, c'est des contrats qui sont décrochés pour vous. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs acheter leur système. Ils sont un petit peu difficiles à obtenir. Vous n'allez pas l'acheter à la Fnac, mais vous pouvez le commander sur Amazon, etc. Et donc, c'est vraiment le début d'un marché potentiellement très important qui va révolutionner l'entertainment en général, les jeux vidéo, mais également le monde de l'éducation, les mondes professionnels comme la médecine, etc. Michel Tombroff, est-ce que vous avez la capacité, avec votre 85 personnes basées Boulevard de la Plaine à Ixelles, d'assurer tous ces marchés ? On a l'impression qu'il faudra être 10 fois, 100 fois ce qu'est la société aujourd'hui pour y arriver. Alors, la réponse est non. Tout seul, c'est impossible. Et c'est pour ça que depuis le début, notre stratégie a été de nous allier avec des grands acteurs du marché. Vous avez fait référence tout à l'heure, je pense, à Intel et Texas Instruments, mm-hmm. qui sont deux exemples. Delphi pour le monde automobile. Et nous sommes en train de travailler sur deux, trois autres partenariats de ce genre, de ce calibre. Parce que pour nous, l'important, c'est que notre technologie soit déployée. Il n'est pas important que le produit Soft Kinetic soit visible ou que vous alliez vous-même acheter un produit Soft Kinetic. Ce n'est pas du tout ça notre ambition. L'ambition, c'est qu'on soit intégré dans tous ces systèmes. Mais et alors, donc, vous allez rester à Bruxelles, autrement dit? Ou bien alors, on a déjà étendu nos opérations en Californie. On a un bureau au cœur de la Silicon Valley. Ah, c'est deux personnes. Trois. Trois. Et en fait, une quatrième qui part d'ailleurs demain. Nous sommes vraiment à l'épicentre de la Silicon Valley. Ça, c'était un choix très important depuis le début. L'équipe qui est là-bas va continuer à grandir. On a une équipe en Corée parce qu'il est très important d'être près des fabricants coréens, taïwanais et chinois. Et donc, pour répondre à votre question, on est certainement en voie d'accélération au niveau des ressources. Mais je le répète, l'important pour nous, c'est surtout de convaincre les grands partenaires industriels de prendre notre cœur de la technologie et de l'intégrer dans leurs produits. Est-ce que vous resterez belge et bruxellois ? Ah oui, d'abord moi personnellement, bien entendu. Mais je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu l'attrait de Soft Kinetic. C'est qu'on a d'un côté, on projette une image technologique américaine. On est basé en Californie. Beaucoup de nos employés ont étudié aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et donc, vu de l'extérieur, on nous perçoit comme une société technologique traditionnelle. Mais en même temps, on a ce petit pédigré, ce grand pédigré belge, bruxellois, qui nous donne une particularité. Et je pense que les clients apprécient ça beaucoup.
on est moins bousculé, on est moins au centre de toutes ces vibrations technologiques. On a un peu plus de recul et je crois que ça nous a beaucoup aidé en fait. Ça peut avoir du bon. Je vous propose de jeter un œil sur les chiffres, parce que là on parle de sciences kinétiques, mais combien ça pèse finalement au jour d'aujourd'hui? Un petit coup d'œil 2010, donc il y a quelques années, c'est aussi le moment où sciences kinétiques devient vraiment la société qu'elle est aujourd'hui. Et par ailleurs, 2013, dernier chiffre paru. On part de 2 millions et on est passé à 12 millions de chiffre d'affaires. En termes de chiffre d'affaires, là, ça marche bien. On double grosso modo d'année en année et sur 3-4 ans, on voit le bon qui est fait. On voit aussi que les effectifs ont quasiment triplé finalement sur 4 ans de temps. Par contre, le résultat net, bon, on pourrait se dire que ce n'est pas encore tout à fait ça. On commence à décoller. Mmh. 2013, si je ne m'abuse, est la première année dans le vert. Mmh. Jusque-là, c'était dans le rouge, même parfois rouge vif. Mmh. Et donc, on peut se demander si tout cet effort a une réalité économique complètement ancrée au jour d'aujourd'hui. En fait, l'autre but, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être implanté dans le plus de systèmes possibles, dans des voitures, des télévisions, des téléphones portables, des jeux vidéo, etc. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il y aura ce volume qui va être généré et que les consommateurs comme vous, comme moi, acheteront ces systèmes intégrés dans leurs outils, dans leurs produits, c'est à ce moment-là que Sciences Kinétiques va vraiment commencer à générer beaucoup de retours financiers pour ses actionnaires et pour les employés. Donc on est encore, je dirais, dans la phase de préparation du marché. Hein. Tous les systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, dont vous avez présenté dans la vidéo, ne sont pas encore sur le marché ou à peine sur le marché. Et donc cette accélération financière va commencer à se faire sentir cette année, l'année prochaine. Donc il faut encore confirmer, autrement dit. Hein. Là, vous avez beaucoup de pistes ouvertes, mais il faut que tout ça se cristallise. Il faut transformer une réussite technologique en une adoption par le consommateur. Et ça, ce n'est pas que notre responsabilité. C'est la responsabilité de nos partenaires, les Facebook, les Oculus, les BMW, mais c'est aussi le consommateur qui doit accepter cette nouvelle façon d'interagir avec la télévision, avec les jeux vidéo, avec la voiture. Et donc ça, c'est très difficile, évidemment, de prédire. Vous avez renforcé votre capital en 2014 de 5,25 millions. Quel était l'objectif? L'objectif pour nous était justement de se donner un peu de temps, plus de temps, cette année, en 2015, pour nouer un ou plusieurs partenariats très stratégiques. Ce sont des partenariats qui mettent beaucoup de temps à être établis avec des acteurs de très grande taille, les plus grandes sociétés du monde. Et donc, quand on a peu de moyens financiers, on est sous pression. On parle de qui là? Google, Apple. On n'a pas encore parlé des smartphones. On n'a pas encore parlé des smartphones. J'imagine que c'est à ce milieu-là que vous pensez. Tout à fait. D'ailleurs, je m'étais permis d'apporter un exemple d'une des dernières caméras qu'on a développé, et vous voyez l'évolution importante par rapport à ce que vous avez montré tout à l'heure dans votre reportage. Donc ça, c'est une caméra qu'on a développée spécifiquement pour pouvoir être embarquée dans une tablette, dans un téléphone portable, etc. Ce qui va permettre à tous les gens qui auront ces équipements de prendre des photos en 3D, de filmer en 3D, de faire de la réalité augmentée, etc. Et donc, pour répondre à votre question, oui, nous sommes en contact avec à peu près tout ces grands acteurs. Maintenant, je ne peux pas m'étendre sur la nature de ces conversations, mais l'objectif, effectivement, est de nouer un ou deux ou plusieurs de ces partenariats. Et pour ça, il faut du temps et il faut de l'argent. Ça veut dire nouer des partenariats, ça veut dire se faire racheter au bout du compte? Pas forcément. Pas nécessairement, mais c'est certainement une voie possible. C'est une voie qu'on étudie très sérieusement à Sciences Kinétiques avec nos actionnaires, avec notre conseil d'administration. Ça peut être des joint ventures, ça peut être des partenariats stratégiques, comme on l'a fait jusqu'à présent avec Delphi et BMW, par exemple. Ça peut prendre différentes formes et on est ouvert aujourd'hui à tous les scénarios possibles. Qui comme partenaire? Partenaire idéal. Donc aujourd'hui, on se focalise sur trois marchés principaux. Le monde de l'automobile, et là, il y a quelques grands acteurs que vous connaissez, le monde des téléphones portables, des smartphones. Et donc là, effectivement, il y a les Coréens, les Américains et tous les équipementiers qui fournissent les processeurs pour ces équipements, les Intel, les Qualcomm. Avec qui vous êtes déjà en partenariat? Avec qui nous sommes déjà en partenariat, mais qu'on pourrait étendre. Et la troisième voie de développement, ce sont tous ces nouveaux outils de réalité augmentée, de réalité virtuelle, qui aujourd'hui sont encore très peu connus du grand public, mais qui, nous pensons, vont subir une accélération extraordinaire dans les prochaines années. Si je vous comprends bien, là, maintenant, dans les mois qui viennent, vous êtes en train d'essayer de négocier, de faire un deal qui permette de passer à la vitesse supérieure, probablement sous la coupe d'un de ces grands noms qu'on vient d'évoquer. Ça veut dire que la PME bruxelloise n'est plus une PME bruxelloise, mais devient un sous-département d'un monstre mondial. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois ça, au contraire, comme le support d'un grand groupe industriel américain, asiatique, qui a besoin de notre technologie, mais qui valorise le fait qu'on est basé à Bruxelles. Mais vous ne risquez pas de perdre votre indépendance? Quand vous
demander à un grand de vous aider, vous devez donner quelque chose en échange. Effectivement, vous devez suivre sa roadmap, vous devez accepter les contraintes qu'il va vous imposer, mais en même temps, c'est nous qui détenons la technologie. Ce sont nos brevets, nos ingénieurs, donc c'est nous qui, in fine, allons orienter ces conversations. Michel Tombroff, je vous propose de jeter un œil sur une récente manchette du journal L'Écho, il y a quelques jours de cela. On avait ce jeune homme en manchette de L'Écho. D'abord, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, bien sûr. J'ai un nom pour lui. C'est l'homme qui vaut 100 millions de dollars, n'est-ce pas? C'est lui. Effectivement. C'est formidable. C'est bien vu, c'est Jérémy Levin. C'est un Bruxellois, il a 29 ans. Il est parti à New York, il a développé Sunrise, c'est-à-dire une application agenda plus ludique, plus dynamique que ce qui existe sur les smartphones. 2 ans plus tard, il vient de la vendre pour près de 100 millions de dollars à Microsoft. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et il dit, oui, je sais, c'est complètement fou, ce genre de choses. Il avait d'ailleurs pas du tout vu venir l'histoire. Il dit, Microsoft qui met 100 millions de dollars pour acheter Sunrise, eh bien, c'est peut-être le signe que le monde des technologies, je le cite, est vraiment fou. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le délire, là, finalement? On a bien vu qu'ici, on peut depuis des années travailler, comme vous le faites, mm-hmm. pour développer des technologies donc, qui ont un potentiel, certes, mm-hmm. on a vu qu'il y avait plein de domaines possibles, mais qui n'ont pas encore généré les résultats et les bénéfices attendus. Mm-hmm. Ici, ça part en deux ans de temps, on crée 100 millions d'euros, de dollars. Est-ce que tout ça est fondé? Est-ce que ça reste logique? Je ne parlerai pas de logique, mais il y a des rencontres qui se font entre des gens qui ont besoin de quelque chose absolument, et des gens qui ont exactement ce que cette autre personne a besoin. C'est ce qui est arrivé entre Facebook et Oculus. Hein, Facebook a racheté Oculus pour 2 milliards. C'est une entreprise qui n'était pas plus grande que SoftKinetic aujourd'hui. Quand on voit l'exemple de Sunrise, c'est un autre exemple. Et je crois que donc, il y a à la fois du tangible, c'est-à-dire, dans notre cas, des technologies qui mettent du temps à développer. Vous voyez, ça, ce petit module n'a l'air de rien, mais il y a là-dedans énormément de propriétés intellectuelles, des développements très poussés, très longs et très compliqués. Et à côté de ça, il y a de temps en temps des miracles économiques comme celui qui vient d'être présenté, mais sur base d'une technologie aussi existante. Et je crois que dans notre cas, il nous a fallu plus de temps pour arriver à maturité. Ce sont des technologies un peu plus compliquées à maîtriser. On arrive au point, justement, où les grands acteurs du marché se rendent compte qu'il est primordial pour eux de l'avoir dans leur portefeuille. Est-ce que vous avez une idée de la valeur de SoftKinetic aujourd'hui? Oui, j'ai une idée, mais ça, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui à la télévision. Je crois que, justement, ça va dépendre de la rencontre ou de, justement, ce partenariat qu'on va déployer. Mm-hmm. Ça dépend aussi de qui vous avez en face de vous. Un Facebook... Si vous avez Microsoft en face de vous, vous seriez prêt à lui vendre pour combien? Je ne répondrai pas à cette question. Plus que Sunrise? Je pense que cette technologie et cette entreprise peuvent valoir beaucoup plus, oui. Elle a un potentiel qui va au-delà, d'après vous. Bon, Apple en bourse, c'est la plus grosse société, on en parle depuis le début de cette émission. Elle pèse, j'ai été vérifié ce matin, 770 milliards de dollars. C'est colossal, c'est la plus grosse capitalisation boursière au monde. Hein. C'est très simple, la seconde, je crois, vaut pas la moitié. Des boîtes comme Nestlé, qui sont des géants, qui alimentent la planète entière, c'est un autre débat, mais vaut 250 milliards, c'est-à-dire même pas un tiers. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on n'est pas reparti vers la folie des grandeurs du côté high-tech? Selon vous, ça pourrait faire un peu penser à la bulle Internet en 2000, où tout allait bien jusqu'à ce que tout n'aille plus. Alors là, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a effectivement des cycles, des bulles et des cycles de ce genre. Par contre, et c'est pour ça que je suis tellement fier et enthousiaste par rapport à SoftKinetic, je pense qu'on a réussi à créer une valeur stable, croissante, qui justement ne dépend pas de ces bulles. On a survécu 2008. C'était pas facile pour une entreprise de notre taille. On était 50 à l'époque, même pas. Non, qu'est-ce que je dis, beaucoup moins même. On a survécu cette crise. On a déployer des partenaires stratégiques avec Intel, avec TI, etc. Et donc ça montre que malgré ces bulles, malgré ces excès, malgré toutes ces choses extraordinaires, il y a moyen de créer de la valeur sur base de technologie avec du personnel stable et qui continue à se développer. Michel Tombroff, quand on est le patron de SoftKinetic, est-ce qu'on est bien payé? On est payé tout à fait raisonnablement, on a une vie tout à fait confortable, mais le plus important, c'est absolument pas ça. L'aventure SoftKinetic est une aventure que, en tout cas, moi, personnellement, je ne vivrai pas deux fois. Hein. C'est trop épuisant. On le fait une fois dans sa vie. Ça m'a permis de développer des relations avec des gens extraordinaires, les patrons de grandes entreprises comme Intel, comme Samsung, comme d'autres, etc. Et donc, ça a été très, très enrichissant. Mais ce que je valorise le plus, vraiment, c'est le groupe qu'on a créé. On a créé un groupe unique au monde, au niveau technologique, au niveau humain, basé à Bruxelles. Et donc ça, c'est une expérience qui vaut beaucoup plus que le salaire. Google joue la transparence. Vous pourriez la jouer aussi?
Oui. Coût de salaire? Oui. Oui, potentiellement. Je ne pense pas que c'est le sujet aujourd'hui, mais ça pourrait. Pour avoir être... une idée, justement, comment oui. Écoutez, la société grandit. On est une société, je dirais, raisonnable. Donc on fait les choses raisonnables. On développe des technologies très avancées. Ça, ce n'est pas raisonnable. C'est très avancé. Mais par contre, tout le reste, on essaie d'être raisonnable. Parce qu'en fait, si vous sortez de ces sentiers battus, vous allez le payer quelque part. Quel est le plus gros risque pour Soft Kinetic aujourd'hui? Il y a deux risques, je dirais. Le premier, c'est l'inattendu. La petite société californienne, américaine, israélienne, qui va inventer quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas pressenti. Ça, c'est un risque qui peut arriver du jour au lendemain. L'autre risque, c'est le temps d'adoption par le marché. Le temps que vous et moi allons prendre pour accepter ces nouveaux outils, ça, c'est pas contrôlable. Et si ça perdure trop longtemps, ça va avoir un effet sur notre entreprise. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une très bonne position pour justement limiter ces deux risques. Alors, peut-être que les pouvoirs publics, les autorités politiques ont leur rôle à jouer. Mmh. Vous allez me le dire dans un instant. Avant ça, je vous propose d'écouter Olivier Willox, le patron des patrons. Il était l'invité de Fabrice Grosfilet dans l'interview il y a quelques semaines. Et Olivier Willox s'est expliqué sur le climat plutôt tendu qui règne pour le moment entre la région et les entreprises bruxelloises. On l'écoute. Quand vous dites on va consulter les partenaires sociaux, que vous les consultez, que vous les mettez au cœur de vos préoccupations et dans vos discours au quotidien, mais que vous faites le contraire, bah effectivement, ça irrite un peu. La confiance est rompue entre vous et l'équipe de Rudy Vervoort et Didier Gauzin. Ben, c'est-à-dire que ce qu'on nous a dit, et nous ne sommes pas contre une réforme quelconque, au contraire, nous l'avons plutôt applaudi, simplifié, plutôt aller dans la bonne chance. La question, c'est évidemment la place des uns et des autres dans les organisations bruxelloises. Ça veut dire qu'on est en train de bouder les entreprises? Appeler ça bouder, ignorer, éviter, vous choisissez. Voilà, Olivier Willox qui exprime, il n'est pas content, il est fâché, il estime que la région bruxelloise ne comprend pas, n'écoute et ne s'intéresse d'ailleurs pas vraiment aux entreprises bruxelloises. Vous êtes un entrepreneur, est-ce que vous partagez cet avis, que finalement le politique est un peu trop loin de tout ça? Non, je ne partage pas l'avis. Il y a certainement un peu de vrai et on peut certainement améliorer les choses. Mais Soft Kinetic, depuis le début, a été soutenu très fortement par les autorités bruxelloises et wallonnes en particulier, pour les brevets, pour le support au développement, les subsides, l'aide à l'emploi, etc. On en a beaucoup profité. Et je connais beaucoup d'autres entreprises de la même taille que nous qui en profitent. Alors, il y a certainement mieux à faire. On peut améliorer le cadre pour les entreprises, on peut faciliter certains aspects à l'embauche, à la croissance, etc. Mais globalement, je pense qu'on est justement bien servi en Belgique et c'est ce qui nous a permis, je pense, de passer les étapes qu'on a passées en 2008, 2010, 2012, etc., qu'on n'aurait peut-être pas pu passer si on avait été aux États-Unis ou ailleurs. C'est une autre approche. Une chose qui nous a étonnés tous les deux, à Paul et à moi, c'est que la région bruxelloise, vous êtes pour les brevets, mais c'est quand même la région wallonne qui est actionnaire. Oui, pas la région bruxelloise. D'abord, ce n'est pas la région wallonne, c'est la SRIW, qui est un organisme basé en Wallonie. Vous savez, chacun nous soutient d'une manière différente. On a un soutien très important de la région bruxelloise au niveau justement des subsides, etc. On a un soutien différent, différentes natures, mais qui nous aide autant de la SRIW. On a d'autres actionnaires, institutionnels, privés, etc. Et donc, je crois que ce qui était important, c'est qu'on a réussi justement à mettre en place cette mosaïque de soutien. Ça aurait pu être l'inverse. Il se fait que ça s'est passé comme et ça. Et alors, ce qui joue beaucoup aussi, c'est vous, c'est que bon, vous n'êtes pas là où vous êtes pour rien, boulevard de la Plaine, c'est-à-dire pile entre la VUB et l'ULB, où vous allez en fait recruter votre matière première, c'est-à-dire du cerveau, de l'ingénieur, du développeur, etc. C'est important d'être là et pas d'être à Palo Alto, par exemple, parce que finalement, des ingénieurs de haut vol, on en trouve plus là-bas, peut-être. Oui, on en trouve plus là-bas, parce qu'il y en a plus, hein, globalement, mais je ne pense pas qu'on aurait eu plus facile là-bas, parce que là-bas, vous êtes en compétition avec Facebook, avec Google, en tant qu'entreprise, je veux dire. C'est-à-dire que les talents, il faut les attirer et empêcher qu'ils aillent et qu'ils changent. Une des choses qui est très particulière à Soft Kinetic, c'est que toutes nos ressources, moi le premier, sommes là depuis longtemps, depuis 2008, 2007, certains même avant, quand ils ont commencé leurs études. Et donc je pense qu'on a réussi justement à créer un pôle assez stable, qu'on n'aurait probablement pas pu faire à Tel Aviv, à Palo Alto, dans une de ces villes très technologiques. Donc c'est un bon signal pour dire que vous avez envie de rester à Bruxelles. Est-ce que du coup vous engagez, du fait que vous avez des partenariats aussi avec les régions qui vous soutiennent,
Vous engagez plus de Bruxellois, plus de Wallons que d'étrangers? Alors on ne fait pas. Il y a une politique? Non, on n'a pas de politique particulière. On est très très ouvert. Et d'ailleurs, quand vous nous avez rencontrés chez Sofkinetic, vous avez certainement remarqué qu'il y a autant d'étrangers que de Belges. Donc je dirais, il y a peut-être 25% de Wallons, 25% de Flamands et 50% d'étrangers qui viennent du monde entier, de Chine, de Pologne, d'Espagne, d'Italie, etc. Il y a 30 nationalités différentes, je pense. Oui, je pense, ouais. Exactement. Donc, c'est ça. Dans les actionnaires, revenir deux secondes là-dessus aussi, il n'y a pas que la Wallonie ou bien les fondateurs, parce qu'ils sont toujours là. Il y a aussi une boîte comme Belgacom. Là, on est dans du lourd belge, évidemment. Mm-hmm. Qu'est-ce que fait Belgacom, c'est-à-dire aujourd'hui, pardon, Proximus, dans l'actionnariat d'une PME comme la vôtre? Elle est là pour contrôler le potentiel, ou pour se l'approprier, ou pour réaliser quelque chose dans les quelques années rapidement? Alors, certainement pas nous contrôler, ni nous influencer, mais par contre, ce sont des technologies qui, un jour, vont atterrir dans la télévision, dans les téléphones portables, dans les smartphones. Proximus est une société qui est au cœur de tous ces systèmes, de tous ces domaines, et donc, ne fût-ce que pour avoir un œil sur ces développements, de voir ce qui va se passer, etc., sans être nécessairement en développement actif dans ces domaines-là. C'est très important pour une société comme Proximus. Et deuxièmement, Proximus est une société qui nous aide beaucoup aussi au niveau opérationnel, ressources humaines. Il nous donne des conseils légaux quand on a des difficultés contractuelles ou des problèmes à régler au niveau de la propriété intellectuelle, etc. Donc ce sont des groupes qui ont vécu tout ce qu'on a vécu à des puissances bien supérieures et qui nous aident de façon importante. Michel Tombroff, merci beaucoup en tout cas de vous être livré dans notre émission. Paul, merci. Merci Marie-Noëlle. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Big Boss et surtout la rencontre avec un nouveau chef d'entreprise. Belle soirée à tous.